Et bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve sur Satellite Rain pour démolir toute la cité sur laquelle on est. C'est parti. C'est parti, let's go. Lançons le jeu. Et voilà, on peut arrêter Spotify, ça sert plus à rien. On peut laisser ça au cas où. Et normalement, on est plutôt pas mal sur le principe. Alors, où en étions-nous? Noi ME, bien sûr. Effectivement, Roger, c'est comme ça que ça se passe. J'ai envie de voir un truc. Ah, ok. Peut-être que j'essaye un de ces quatre. Si des gens ont le jeu, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, où en étions-nous? Plein d'argent, d'accord. Très bien. Très très bien. Ce qu'on va faire, c'est faire des recherches là-dessus. Ça coûte cher pour ce que c'est. Ah mais j'augmente que de 2$, c'est pour ça. Ça prendra le temps que ça prendra, on s'en fout. Pistolet à plasma. C'est chiant parce que j'ai des flingues à plasma, mais je m'en fous des flingues à plasma, ça me. I don't care. En vrai, dans tous les cas, faudrait que je les fasse tous, mais bon. Pourquoi pas ce câble, il est toujours là? Je l'ai pas acheté sur tout le monde? Mais attends, mais je l'ai déjà. Un truc bizarre qui se passe. Un viseur optique, ouais, ça c'est très très important. En vrai, autant attendre, ça me pose pas de soucis à ce niveau-là. Au niveau des missions, qu'avons-nous à faire? Pourquoi je suis revenu là? Peut-être pour le terminal de données. On va se faire l'armure ici. Si je me trompe pas, dans les bas quartiers complexes, armurerie. Voilà, armurerie, c'est ça. Donc, on va y accéder, tout simplement. Par où, par contre? Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que ce serait pas... Ou que sais-je? Ah c'est ça, c'est ce truc-là, et ce truc-là a plusieurs points... Ouais c'est ça. C'est ça le deal. C'est ça le deal. Yeah.
Ça veut dire... Ah ouais, non, il est là. Et là, j'embrouillage. Quatre-vingts points de vie. Il fait combien de... On peut pas savoir. C'est piraté. Nickel. Hop. Alors. Ça va être compliqué, ça va pas être facile ça. Voyons voir si j'ai pas des trucs intéressants à... Ok. Bon là j'avais... Si j'avais ça. D'accord, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Hop. Alors. Non, c'est l'autre bouton. Est-ce que par hasard... Ouais, non, j'ai pas de... Ah non, j'ai pas accès à tout ce qui est là-bas. Non, y a rien. C'est vraiment. En raison des voltages très importants. Est-ce qu'il serait pas faisable de dézinguer ce machin? Aptitude. Non. Non, parce qu'il me faudrait court-circuiter au moins le niveau supérieur et je ne l'ai pas. Parce que du coup celui-là est très facile. Mais celui-là... Bah, j'ai 40%, mais 40% n'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Allez, let's go.
Merde. Ouais, mais genre non. Ouais, mais non. Le niveau quoi. Est-ce que par hasard... D'accord, donc lui il est bientôt possiblement level up. Ça c'est pas intéressant, ça c'est pas intéressant non plus. Ah ok.
pouvez pas passer là. Ah bah non, y a plus de jus. Forcément. Forcément. Hop. Allez, on te libère. De toute façon, on fera rien de toi, donc autant t'enlever de là. Ça ne sert à rien. Et là, on va juste se barrer, hein. Concrètement, ça ne sert à rien de rester ici. C'est éteint, ça? Vas-y, go l'éteindre. C'est rigolo. On va les faire chier. Je sais pas exactement ce que ça coupe, mais sur le papier c'est rigolo. Les gens sont bêtes lire, hein, quoi, c'est impressionnant. Impressionnant. Mais pourquoi? Bah cours, hein. Quelle est cette ânerie? Pour rire, j'aimerais bien m'amuser à le one shot. 80 en énergie et j'ai 68. Putain, je mets trop de temps à avoir de l'énergie, quoi.
Ah, je récupère les munes en plus, nice. Allez, on se barre. Et bien voilà, on a terminé les bas quartiers à 100%. Enfin, presque à 100%. Il y a des trucs que j'ai pas pu avoir, mais ça c'est parce que. Il y a des gens qui demandent beaucoup trop d'expérience, tout simplement. Et du coup là, si on regarde dans les contrôles de mission, projet Satellite Rain, le marché noir, on a eu de nouveaux items. Veste pour munitions, d'accord. Augmentation. Hein? Non, arrête tes conneries. Oh non. La toute dernière augmentation corporelle de White Corp avait à l'origine pour vocation de servir de générer d'énergie hyper puissante. Cependant, le noyau du système s'est avéré avoir une fâcheuse tendance à fusionner avec des conséquences catastrophiques. Cette particularité pourrait nous être utile si un agent est tué sur le terrain. Tout en étant équipé de cette amélioration, le noyau fusionnera et l'explosion endommagera tout dans un rayon important. Elle est avec si je servais à faire tout péter. Processeur réactif à double précision augmentée, chance d'esquiver un tir ennemi augmentée de 5%. Système de refroidissement à eau. Ah ouais! C'est trop bien! Ça sur le notre sniper, c'est génial. Mais bon, je m'en fous un peu en vrai. Tir rapide, protéjectile de suppression. Ouais, bon, je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est pas. Ça me tombe pas plus que ça. Par contre, si j'avais 3, voilà, une compétence niveau 3, ce serait cool d'augmenter ça et d'augmenter mon hacker niveau maximum, comme ça. On va directement ici. Je suis pas recherché, nickel. Maître ionique étendu. Ah, mais du coup, ça veut dire que je peux équiper ma donzelle, non? Logiquement. Non, c'est toi. D'ailleurs, il n'y a même pas de silencieux là-dessus. De toute façon, ouais, ça me sert tellement à rien, c'est impressionnant. Fusil de sniper. Ah bah non, c'est nul. Portée augmentée de 17%. Bah en vrai, la portée, enfin, si t'as une portée assez énorme et qu'elle a augmenté de 17%, 17% de énorme, c'est beaucoup. Contrairement à 17% d'une petite range comme un fusil à pompe, bah. C'est pas ouf. C'est pas terrible. Donc là, pour le coup, c'est pas mal, mais bon. J'aurais préféré une. Ouais, je sais pas. Parce que de toute façon, elle a une précision de 90%, donc ouais. Suffit que elle ait un peu de stats en précision et c'est bon, quoi. C'est tout moche. Bouclier léger R7. Ah oui, du coup, j'ai une nouvelle recherche. Putain, le bordel que c'est. Protection bouclier R7. Bouclier augmenté de 90, latence. Ah bah attends, du coup, faut que je teste voir si c'est worse ou si c'est pas worse. Bouclier augmenté de 120. Ok. Oui, mais montre-moi les stats. 90. Latence avant la régénération, 25%. Et j'ai 5% par seconde. Ok. Donc il est plus faible, mais il se régénère plus vite. Non. Bah non. Concrètement, je vais pas m'en servir. Pénalité de vitesse avec une arme lourde réduite de 60%. Bah, comment dire?
Je vais pas m'amuser à faire des recherches pour faire des recherches, hein, c'est pas intéressant. Trait de laser. Rechercher ça, mais bon, est-ce que ça m'est vraiment utile? C'est toute la question. Est-ce que je vais pas rechercher des trucs inutiles? Augmentation. Oh, les jambières V2. Santé augmentée de 30 et. Ah, désolé, je m'amuse. Ah, c'est la même chose. Et c'était combien de base ce que j'ai moi? Non, c'est pas ça, c'est augmentation. 10. C'est vrai que 10 c'est léger. Sachant qu'il faut se passer la recherche en plus. Ouais, bof, on s'en fout. Ouais, donc le bar quartier est complètement terminé quoi, c'est fini. Situation pour le point de contrôle du district CBD. Ouais. District The Grid. Bah dans tous les cas, faut que j'aille là-bas. En atterrissant là-bas, je vais directement aller ici, pirater ce bordel et voir pour découvrir où se situe Bobby John. Attends, parce que c'est quoi la mission? Un service pour Monsieur Smith. Oui. Ah, c'est là. Ah oui, non, mais en fait, c'est que de l'argent. Ouais, donc non, ça c'est de l'argent et puis c'est tout, quoi. Bon, Bobby John va aller défourailler tout ça et ce sera bon. Et voilà. Il suffit juste d'aller pirater ce dernier bout et on aura tout piraté au niveau du cashless. Distributeur de bifton. Il met 5 à 6 années à passer, mais. Et voilà. Easy money downtown, voilà. Easy, easy. Non, c'est plutôt. Ah oui, d'accord. Ah, c'est un autre endroit. Ok. Eh bien, très cool, très cool, très cool. Du coup, nous, on va sortir de là parce que ça nous sert à rien. Et on va voir ce qu'on peut faire. Et CBD. Alors, papier s'il vous plaît, achetez un pass 50 000, bah, c'est très bien. Hein, c'est très bien, mais trop d'argent tue l'argent. QG du Zikoop. Où est-ce que je pourrais aller? Ça, c'est le bordel complet. Hein, ça me tente pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ça, je crois que je l'ai déjà fait. Mais ça, il y a des bifetons par là-bas. Ça m'intéresse pas mal. Bah, on va se balader ici. On va. Enfin, se balader. Un peu compliqué de se balader dans ce bordel, mais. Ça pourra servir, ça dure longtemps. On va se priver. On va pas se priver.
Alors, c'est très bien, mais... Ok. D'accord. C'est quoi U? Ah, c'est endurcir, oui. Ça sert à quelque chose, tiens. Oula, Jean-Batteuse. Ce serait pas plutôt à Jean-Baptou le fragile de partir en éclaireur? Tu auras du mal à partir en éclaireur si ça se passe comme ça. Il y avait pas un truc dans le marché noir au niveau des peut-être des augmentations? Non. Un équipement peut-être du coup. Proxy de hacker, c'est ça. 15 300. Pouah, ça coûte tellement cher. On va se barrer de là en vrai, c'est trop risqué ici. Ah, il y a le truc à bifton ici. Ah, bah je vais y aller alors. Si le truc à bifton est juste là. Faut que je passe seulement deux. Ouais, c'est faisable. C'est moins faisable d'un coup, mais. Et on peut le faire, on peut le faire. Hein? Mais attends, mais je suis baisé là. Ah merde. Ah oui, d'accord, je suis obligé de tout contourner en fait. J'ai pas le choix. Du coup, là, forcément, il y a plus personne. Putain, c'est casse-pied! Ça se passe pas du tout comme prévu. Enfin, comme prévu, j'avais pas grand chose de prévu, mais j'aurais bien aimé que ça se passe mieux que ça. J'aurais pu être voir là-bas aussi, effectivement. Effectivement. Effectivement, il y avait l'usine de fabrication, d'assemblage, machin, qui est juste à côté. Oh putain, je suis un peu couillon. Allez, on y va. Je regarde pas assez tout ce qui se passe autour. Pendant ce temps-là, on va choper de l'argent et puis. Puis voilà quoi. Quoi? Arrête tes conneries. Commandant du Z-Corp. Il regarde où? Il regarde nulle part. Hop, ni vu ni connu. Et moi j'ai toujours Jean-Baptou qui est où?
Là, ici. Ah oui. Ah oui. Il y a moyen de les désactiver? Une question. Ouais, sûrement avec ça. On va tester, tu me diras. S'est passé concrètement. Quoi? Merde. En fait, y a rien ici à part ce truc-là. Ah. Bah, peut-être qu'on peut pas y interagir avec celui-là. Ouais, non, celui-là, on pourra pas. Mais justement, c'est la tourelle. Hé hé hé. Lol. Et du coup, j'ai pas fait attention, mais est-ce que cette tourelle-là est prise en compte? Ouais. Bah, ouais, bah non. 400 HP, quoi, putain. On sait pas combien il fait de dégâts la grue. Dommage. Ah mais attends, je peux passer par là du coup. Je sais pas où ça va nous mener mais... Bah là. Ah nickel. Allez go. On se balade, on se balade. Qu'est-ce que c'est que ça? Valve de contrôle. On fait une muse alors. Non. 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 Génial. Encore une autre tourelle. Non, 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 tire sur personne, s'il te plaît. Fais pas le con. Il s'en fout. Il s'en fout du gaz. Ça paraît bizarre quand même. Ok, il y a beaucoup de trucs qu'on peut hacker ici. Ok, il y a un passage ici. Ok. Et là on atterrit sur la route, non? Non, Ah non, non, on est... D'accord, juste devant l'entrée, ok. Ok, je vois. Ok. Ça a l'air pas trop compliqué d'aller ici. Ça a l'air largement faisable. Je sais pas par où on peut passer, mais... Enfin pour moins se faire chier, mais... Pas par là. Par là, si on arrive à y accéder, on s'ennuiera beaucoup moins.
Ok, donc ouais, on a quand même. Ouais, enfin, je dis ça, mais on est quand même vachement dehors, quoi. Ok, et eh bien, juste pour rigoler. Sais pas ce qui s'est passé, mais c'était rigolo. J'aurais peut-être dû attendre. Mais bon, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, nous on récolte de l'argent. On va pourra s'acheter le proxy de hacker. On va respawn ici avec tous nos bros et on va aller achever. Je sais pas ce que ça a des fourrés tout ça. Pas trop l'intérêt en vrai. On s'en va, ça sert pas à grand chose. Ah oui, c'est là où il y avait les deux bouts de banque, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai le droit d'aller ici. Où se situe? Ah mais oui, c'était un bordel sans nom pour choper le... Attends, on est où là? Hein? Attends. Ok. Attends, j'ai pas compris là. T'es en train de me dire que ce truc là, connecté à ce bâtiment, si je suis d'un côté, je peux aller à l'autre sans me faire chier. Et voilà, nickel. Hop, un autre siphon à moi, Augustin et Hazan Global Bank. Je crois que j'ai déjà eu ce truc là. Par contre, c'est bien si je peux aller de l'autre côté. Du coup, je pense que je vais y retourner. Je pourrais encore les voler.
Hop, nickel. Ça me pétait les reins, Billy. Voilà. Allez. Non, non, j'ai rien fait. Je suis une fusée. Tu ne mourras jamais. Mais non, mais arrête de tirer sur des gens, genre, qu'est-ce que tu fais? Lol. Bon. Et sinon, qu'est-ce que j'étais censé faire déjà? Ah oui! C'est bon, on a ce qu'il faut. Alors. Équipement, proxy de hacker, achat de prototype. Je sais même pas. Ah oui, c'est un équipement. Équipement, proxy de hacker. Ah ouais, c'est dans ce cas-là en fait. Donc s'il meurt, je suis dans la merde. Ah ouais, c'est trop chiant ça par contre. Ah ouais. Sur ce principe-là, c'est effectivement extrêmement relou. Par contre, je trouve ça bizarre. Bonsoir. Je vais taper un message dans le chat au cas où. D'accord. Bon, ça me rassure, il n'y a personne sur le chat. Ça me rassure. Enfin, ça me rassure. Oui et non, mais. Au moins, ça me rassure du fait qu'il n'y ait même pas Wizbot qui. Attends, mais d'ailleurs, il n'y a même pas Wizbot? Ah oui. Eh bien, bonne question. Très bonne question. Du coup, il est ouais, 20h56. Ok. Ok. Du coup, on va rechercher notre équipement parce que sinon on va le perdre et ça m'ennuie. Ça m'ennuie terriblement de perdre ce bijou d'attaque nalagée. Quick. Conjectural technologie. En vrai, faudrait plutôt que je prenne le contrôle d'un ennemi et que je lui fasse dire hey Billy, tu voudrais pas venir nous voir? Allez, sois gentil, on t'aime tous. On est tous coping. On est tous des coping.
Ou alors je le tente en mode Hello Again. Du. Après c'est vrai que ça focus pas donc je peux peut-être juste tenter de pirater ça et puis ça devrait passer. Alors, quelles sont ces statistiques? Ah merde! Tant pis. Bien tant pis. Il aurait été directement envoyé au bayou. Instantanément. Du coup, on va visiter. On va surtout tout pirater, mais on va. C'est pas toxique ici? C'est juste moche? Allez Billy, fais ton travail. Nous on va rechercher ce qu'il y a là-bas et on a gagné. Enfin, on a gagné un truc sur parmi tant d'autres. Non, alors en fait, Jean Hacker, tu restes là. Parce que on sait jamais, dans le pire des cas, on met trop de temps, on est mal. J'ai pas le choix. Et là, tu te dis, mais Billy, je croyais que t'allais avoir ton truc wifi et que ça allait être génial. Forcément, j'avais pas prévu ça. Attends. Moi je dis, personne m'a vu. Tranquillou. Ça sert à quoi? Non, pas eu. À chaque fois j'appuie dessus, mais. Ça ne sert à rien. Attends, quoi? Non, mais arrête tes conneries. Attends, t'es en train de me dire que. Oh là là. Bon, en fin de compte, ça va être très rapide. Voilà, donc ça dégage. Ce truc est down. Ah ouais, ok. Putain, mais j'aurais eu la wifi, je pourrais les hacker d'ici sûrement. On va régénérer un peu la stamina. Et ensuite on y va. Priori, on cherche. Bonsoir.
Non, mais non, mais non, mais non, Billy. Oh la merde. C'est tout? Attends, t'es sérieux là? Arrête, c'est pas possible. Ça l'a pas one shot? Mais attends, mec. Ah, il avait de l'armure. Ok. Ok. Mais il se régène de l'armure lui? Ouais, je pense pas. Ok. Sur le papier, c'est pas si mal. Bon, on va aller remettre la machine en route du coup. Comme si de rien ne s'était passé alors qu'on a tout pris, mais c'est pas grave. Hop. Un chien de patrouille. Bobby, qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Que veux-tu faire? S'il se décide pas, moi je vais me décider à aller hacker ce bordel. Si, si, il descend pas. Comme prévu. Ou comme pas prévu, mais ça c'est. Une autre histoire. Excusez-moi, je suis pas fatigué, j'ai juste un mal de crâne et ça me fatigue par contre. Et voilà, tac. Ah bon, on y retourne alors. Silencieux pour placement. Pack de munitions acquis. Pack de munitions. Ah ouais, ok. Bien, bonne question. Du coup, sinon. Il va me scanner tout ça. Pense. Enfin, va me perturber tout ça. Ah, c'est là. Okay. Ah, oui, d'accord. C'est juste que j'ai pas la zone. J'ai pas la range. Un peu plus la range maintenant. Ouais, d'accord. Ok. Ça sert à quoi d'aller par là? Mais putain, j'arrête pas d'appuyer sur ce bouton nul là.
Ah non, ok, non, c'est ok, je pensais que. Mais je fais où là? Oh! Attends. Ça doit être un enfer de repartir d'ici. Attends. Ça n'a aucun sens. Parce que... Oh là là. Enfin, le jeu est bien fait parce que c'est stratégique. Mais sur le papier, ceci est débile. C'est comme si en gros tu disais, bah je sais pas, un soir, enfin c'est ce qui se passe dans tout le jeu, mais t'as Jean-Bobby qui décide de désactiver ce truc-là pour aider quand la... Comment on appelle ça? La résistance. Et eh ben il peut le faire parce que bah tout le monde s'en fout. On aurait dit un humain, tiens. C'est rigolo. Par contre, ce qui est moins rigolo, c'est que je trouve pas le truc des caméras. On voit toutes les caméras là. On... Ah ouais, non, ils sont là en fait. Ils sont là et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix sauf si ma recherche était terminée et non, pas encore. Pas encore, pas encore et. Allez, ça durera que 4 minutes de plus. En vrai, on va s'en aller, hein. Ça sert à rien de rester ici. On perd du temps. Enfin, on perd du temps. On peut en gagner plus en restant ici, quoi. Ça c'est bien. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que du coup j'ai fait une quête, non? Logiquement. Projet satellite, le marché noir, équipement. Oui, forcément. Une charge télécommandée qui, après avoir été placée sur la cible désirée, peut être activée à distance. L'impulsion électromagnétique résultante étourdit les cibles dotées d'implants neuro, perturbe les boucliers, endommage les dispositifs électroniques ainsi qu'à proximité. L'explosion IEM est quasiment silencieuse, ce qui constitue un atout non négligeable pour toute tactique d'opération secrète. Effectivement. Effectivement. Ça me paraît plutôt pas mal, mais le problème c'est que ça coûte cher. Ça coûte beaucoup d'argent et comme on peut le voir en haut à droite, je n'ai pas de sous. Hein, je ne suis pas pauvre, mais je ne suis pas riche. Et ça fait chier. Voilà, tout simplement. Hop, on sauvegarde un petit coup. C'est où j'ai été volé quelque chose? Ah, le centre d'affaires. Des usines d'UziCorp. Le stockage d'UziCorp. Entrepôt militaire d'UziCorp. C'est où j'étais?
Bon, en fait, ça a l'air tellement simple que. Il va juste falloir attendre un peu, quoi. Parce que logiquement, donc, si j'ai bien compris, je descends ici. Ensuite, après avoir descendu ici, je descends là. Je prends les petits escaliers ici. Je fais la petite. Oui, c'est rigolo. Ensuite, à partir d'ici, je prends la tyrolienne. Il n'y a pas un autre truc à faire? Non, je prends la tyrolienne, c'est ça. Je descends ici. Donc, verdict, si je prends la tyrolienne. Faut forcément. Voilà. Il faut forcément que. Non, toi tu restes là, on s'en fout. Allez. Goodbye, my lovers. Tic-tac-touc, protection, bouclier, armure corporelle légère. Franchement, on s'en fout. On s'en fout royal, un bouclier de 120 qui a une régénération. C'est fort, tout simplement. Et d'ailleurs, je n'ai même pas fait gaffe. Au niveau des recherches, on en a où? Une minute 20. Non, 2 minutes. Je suis complètement à l'ouest. C'est pas ça que je voulais voir. Ah oui, aptitude. Bête de somme. Leadership. Ouais, en vrai, j'ai pas le choix, faut que je prenne ça. Hein. Maximum d'énergie est augmenté de 80. Attends. Plus 30. Ah non, d'accord, oui, non, d'accord, ok. Ok, donc ce sera plus 80. Ok. Ouais, donc non, c'est très très fort. Attends, t'es sérieux? Je pourrais vraiment tout avoir dans peu de temps. 22 points d'expérience. Eh bien, très bien. On va patienter. Tiens, bah, vu qu'on patiente, je vais me chercher un petit Doliprane. C'est vachement bien. Et du coup, logiquement, on devrait pas tarder à avoir ce fameux item. 14 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et voilà. Proxy de hacker, oui. Larda. Équipement. Hacker, machin, proxy du hacker, acheter.
Bénéficie du niveau de... Ah, ok. Journal, peut-être qu'il faut que j'aille dans... Aptitude. Non. Je crois pas alors. On peut pas savoir exactement ce que ça fait, ce que ça te donne. Mais attends, je comprends pas alors. Mais attends. Faut que j'essaye, faut que j'essaye ça quelque part. Genre là. Ouais, on classe la Billy. On va te faire des tests. C'est complètement con. Je t'ai mis un équipement, je suis pas débile. Proxy de hacker. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ok, j'ai compris. Donc verdict. Si je mets un proxy de hacker. Ah, voilà, il me casse les pieds. Ok, dac. Oh putain, c'est chiant. Je pensais que c'était ouf, mais... Ça reste dangereux dans tous les cas. Bon, après, j'ai Jean-Michel Sneaky, donc c'est moins dangereux. Principe où elle peut se cacher, mais c'est moyen du coup. C'est pas aussi ouf issime que je le pensais, quoi. C'est largement moins oufissime que je le pensais. Tac. Pendant ce temps-là, on va regarder les aptitudes. 22. Ah oui, il gagne vraiment 0 points d'XP, c'est impressionnant. Je suis obligé de tirer sur des trucs pour gagner de l'XP? Moi, je suis un hacker. Ah, il y avait une balise là. Putain, quel débile. Alors, si toi tu te mets là. Bah, en fait, c'est tout en fait. Si toi tu te mets là. Mais non, ça marchera pas. Ah putain, chier. Ah voilà, c'est ça. Ok, c'est ça que je voulais voir. Ok, nickel. Ok, Dak, j'ai compris. C'était pas facile, hein, mais j'ai compris. C'est le but, hein. C'est le but, c'est le but.
Ah oui, du coup, elle peut y aller sans problème maintenant. Ah oui, d'accord. En fait, ouais, c'est juste que t'as la compétence du hacker en fait partout sur n'importe quel personnage en fait. Quand t'as cet équipement, quand tu l'as pas, t'es coincé. Mais du coup, c'est vachement fort sur elle. Enfin, sur ce. Sur elle. Pour être un homme, ça changerait rien. C'est elle parce que là, c'est une nana. Les nanas, c'est beau. Les nanas, c'est beau. Et quoi? T'es pas un peu con par hasard? Ah ouais, non, 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 non. Par contre, ça faut que ça. Ça faut que ça dégage. Ça tourne trop vite, ça me gêne. Ça m'atteint pas normalement, mais on sait jamais, hein, sur un coup de malchance, ça peut arriver très très vite. Voilà. On va voir, voilà, niveau 4 bien entendu, du coup leadership. Voilà, comme ça tout le monde a énormément de tout ça. Et c'est vachement bien. Ah non, en fait, on peut toujours y retourner. C'est débile. Attends, quoi? Mais ça sert à rien du coup. Ou alors pour t'empêcher en tant que. Que Bobby John le Jackie. Donc Bobby John le Jackie, ce serait. Bah en fait, tant que t'es pas une perks du hacker en fait. Mais du coup là, je viens de casser le jeu alors si maintenant je peux. Je sais pas, je comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin du moins pour ce point de vue là. Putain, c'est super grand, c'est ouf. Moi j'ai que 3 points. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ici, en fait, cet endroit-là ne sert à rien sauf si tu veux t'en aller. T'as pas le choix, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est dommage, il n'y a pas de remont de câble. Putain, c'est chiant. Sur l'objet. Ah oui, mais non, mais oui, non, forcément, c'est toujours utile. Parce qu'un prototype, enfin, si j'en ai besoin de ces quatre pour je ne sais quoi, c'est très très fort.
J'arrive pas trop à me rendre compte par rapport aux équipements. Parce qu'en fait, si on a l'équipement qui permet de raise, est-ce que ça permet de te raise toi ou est-ce que ça permet de raise un allié? Parce que si ça permet de raise un allié, c'est très fort, parce que ça veut dire que tu peux jamais perdre tous tes mecs. Par contre, si ça permet de raise qu'un seul, ça veut dire que t'es obligé de prendre un équipement sur chaque personne pour raise une fois. Mais du coup, est-ce que ça se perd à la fin? Et sûrement que oui, parce que sinon ça sert pas. Enfin, c'est trop fort. Ou pas assez, parce que ça te prend quand même une place d'équipement. C'est. Voilà, c'est. À voir. Nos agents de renseignement pourront nous fournir des informations utiles en échange d'un peu d'argent. C'est un propos pour poser quelques problèmes. Mais avec un peu d'astuce, nous pourrons mettre la main sur des choses sympathiques sans trop nous fatiguer. À l'est, il y a un câble le long duquel. Alors. Supprimer ping, activer ping. Ouais, voilà. À l'est, il y a un câble long que vous pouvez glisser. Vous pourrez ensuite contourner discrètement les deux autres tourelles ou bien tenter de les hacker pour les contourner. Quoi? Quoi? Attends. J'ai mal compris là. Non! Mais. T'es en train de me dire que c'est les doigts dans le nez! Bah attends, mais c'est beaucoup trop facile du coup. En fait, si je me fais pas repérer, c'est finger in the nose. Et j'ai envie de te dire, pour que ce soit finger in the nose, je demande à Jean-Bob d'aller là-bas. Jean-Bob? Jean-Bob? Attends, mais il est où Jean-Bob? Je l'ai perdu. Jean-Bob? Attends, mais je suis pas con. Ah! Oh merde! Mais non, mais s'il te plaît, Billy! Oui. Oui. Oui, c'est bon. On va décoincer. Putain, heureusement que je l'ai pas fait. Je vais faire, je sais pas trop quoi. Non, du coup, non, faut que t'ailles là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Le dent anti-émeute. Ok. Alors, si tu pourrais ne pas venir. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, mais c'est bien d'améliorer un genre, mais j'en ai plein d'autres. Genre toi, voilà, maître voleur. Mass Flows. Mais après, je vais mettre assassin. Non. Corps à corps. Encore, c'est vachement bien. Ouais, mais il y a l'argent, l'argent, tout ça, tout ça. Quel dommage. Sérieux? Attends, j'ai. Quoi? Tellement n'importe quoi. Et voilà, plus rien ne peut m'arrêter. Mais comment c'est possible, quoi, genre? Alors non, 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 prends pas ce câble-là parce que sinon tu vas être très loin. Très, très, très loin.
Et si j'ai besoin de toi, bah je suis dans la merde. Non, mais tu vas aller là tranquillement. T'auras le temps, je pense. En ce temps-là, Jackie Bob et les autres, ils vont hacker ça. Parce que du coup, je peux dispatcher en deux groupes. Oh là là, quelle puissance. Il était vachement lent quand même. Ah non, c'est parce qu'il est plus puissant celui-là à hacker. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que t'as des statistiques intéressantes? Dégage. Parfait. Faut se faire chier. Hein. Ah, tu descends! Ah ouais! Il y a des trucs là-bas. Comment vous dire? Vous allez rester là et Jean-Jacques, tu vas descendre. Parce que bien heureusement ou malheureusement, mais il y a des trucs très intéressants là-bas. Marche pas? Non. Merde. Ça, j'avais pas prévu ça. Chier, putain. C'est. Non, c'est pas trop chiant à atteindre, ça va. Ouais, non, ça va le faire. Il y a peu de zones, il n'y a pas d'ennemis quasiment. On va nous ça. Y a rien ici. Y a même pas. Quel dommage. Il n'y a plus personne. On se demande pourquoi. Oh là là. Je me serais battu. Ah mais du coup il me casse les couilles lui. Oh merde. Ah quoique. Ah bah non, ça sert à rien du tout ce que je fais. Je peux directement m'en aller, je ne sers à rien. Parce que là j'ai le proxy du hacker, c'est très bien. Mais qui sait mieux circuiter, c'est le soldat.
Donc sans le soldat, je peux rien faire. Pourquoi tu régènes pas ta... J'ai vraiment laissé l'armure. Mais putain, mais qu'est-ce que je suis con. Il y a 120 de boucliers, genre entre 120 de boucliers et de l'armure, je suis à vite fait. Eh oui, Bobby. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Qui c'est ça? Ah mais c'est moi ça! Nickel. Et du coup Jean-Bobby il s'est cassé? Non? Je le vois pas. Il s'est peut-être barré par là. C'est très embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Du coup on a Jean-Michel qui va aller avec eux parce que bah, si, eux ils servent à rien donc on va les mettre là. Et puis voilà quoi. Ok, très mauvaise idée. Je dirais bien, je mets leur armée contre leur armée. Enfin, ouais, leur armée contre leur armée, littéralement. Le problème, c'est que mes chances de gagner sont assez faibles. Mais attends, ils ont... Quoi? Qui m'a vu? Bah pourtant ils sont tous les quatre là. Alors oui, j'ai un mal de crâne impressionnant, mais je suis pas débile à ce point-là non plus. Attends, ils ont vraiment mis une alarme pour rien. Je trouve ça assez étrange. Allez, va à la scanette. Du coup, je viens de me rendre compte que j'avais déjà désactivé ce bordel. Attends, quoi?
Et je suis en train de me dire que j'ai quasiment fusillé toutes les personnes que je. Enfin, la personne que j'ai envie de m'envoyer au clonage. Non mais vous avez vu la puissance de feu de ce bordel? Genre really? Ah, en soi si je prends Jean Sneaky. Mais c'est quoi ce truc? Chien de patrouille explosif. Ah c'est juste ça, ok. Ce chien de patrouille ne s'en ira donc jamais. Mais à quoi ça sert à une porte d'avoir des HP? Si ça lui sert pas. Ah oui, c'est vrai. J'avais dit que c'était complètement débile cette fois-ci. Faut juste que je chope. Mais attends, et dis-moi pas que c'est la même chose parce que là je. Non, ça va. Pas aussi débile. T'es encore plus con que la moyenne? Non? Non. C'est quoi ce truc?
Non mais sérieux. Quel était ce type d'arme qui m'a littéralement mais démoli? C'est lui que j'ai démoli. Putain, pendant ma tête, j'ai vu chômage au lieu de connage, j'étais perdu. J'ai pas compris. Hop. Si on fait ça, est-ce que c'est mieux? Hop. Ouais, c'est pas mal. Quoique. Mais non, il faut les caméras, faut. Faut que je les désactive. Mais pourquoi elle se cache pas, genre? Si elle se cache? Là, tu te caches, mais là. D'accord. Elle est plus grande que le wall, ça doit être quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Quoi? Attends, qu'est-ce que j'ai piraté? Et un deuxième truc à pirater là-bas. Ouais, enfin, je peux me casser les pieds pour remonter. Hein. Je vais remonter. Ouais, peut-être pas en fait. Sera plus simple effectivement.
Allez, masse flouze. Normalement, je remporte plus 100% d'argent. Donc là, je vais prendre 2100. Ah, ok. Localiser le colis. Waouh, ok, je vois. Ouh, ça va pas être facile celui-là. Ouais, je sens. Parce que le problème, c'est qu'il faut que je me sorte de là, et ça. Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, quoi? Oh putain. Oh là là. Une fois que t'es arrivé de l'autre côté, en fait, tout est facilement accessible. Ça m'arrange. Ça m'arrange.
Alors, qu'est-ce que je peux augmenter sur mes fameux compatriotes, coéquipiers, tout ça, tout ça. Court-circuité, niveau maximum, paf, tout dégage. Marquage de la cible, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Asservir, complètement abusé, je prends, oui. Oui, parce que ça reste très très fort. Et notre copine, on va la mettre sur... Sur quoi? Parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses bien sur elle. Mais le camouflage reste une priorité. Parce que bah c'est fumé du cul, hein, concrètement. Je suis tellement sneaky, tu peux même pas me voir. Alors, si tu... Oui? Oh non, 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 pas ça. Ils vont pas comprendre. Hop, et voilà. Donc là, j'ai récupéré un item sur plusieurs. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer de jeu. Parce que bah, jouer au même jeu, c'est très bien. Je dis pas le contraire. Mais voilà, on va switch de jeu. On va sauvegarder notre partie. Et on va se remettre à...